nous inaugurons ce matin la halle des sports Denis Papin, qui est destinée aux étudiants de l'université, des écoles, des grandes écoles de Saint-Étienne. Donc c'est un équipement qui était attendu depuis très très longtemps par les étudiants. Sa réalisation, je crois, fait l'unanimité. C'est vraiment un équipement remarquable. Et je me félicite de pouvoir constater combien ce travail a été qualitatif. Les étudiants disposent désormais d'une vraie halle des sports avec un superbe mur d'escalade notamment. C'est un pas en avant supplémentaire pour le développement de l'université, comme c'était le cas avec la Maison des chercheurs internationaux il y a quelques jours. L'université continue à progresser, s'installe dans toute notre ville, au cœur de notre ville. Et moi, je ne peux que soutenir évidemment ces efforts. L'agglomération Saint-Étienne Métropole y participe largement. Et nous sommes là face à un pas en avant supplémentaire pour notre enseignement supérieur. L'attractivité de Saint-Étienne en dépend. Donc voilà, nous posons des jalons très positifs pour l'avenir avec cette remarquable réalisation ici, sur le site même qui, il y a quelques dizaines d'années, abritait le vélodrome et ses exploits. Mais maintenant, c'est l'avenir, c'est le développement de l'université et c'est le développement de notre ville. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to exist in the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best.